Et c'est ce que vous allez faire. En paix, soldat. Quel est le problème, Von Bach? Vos hommes manquent de discipline, Capitaine Grant. Je veux récupérer mon équipement. Mes pillards chez moi partiront dès que nous aurons atterri. Le Liberté n'est pas votre jet privé. Tout est rangé. On n'a pas le temps de sortir vos affaires. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, Capitaine, vous avez l'ordre de faire ce que je dis. Mes ordres viennent de mes supérieurs, des gens à Manhattan vêtus d'uniformes, comme ça. Ils m'ont chargé de vous protéger pendant que vous cherchez votre prétendu Arkatech. Prétendu Arkatech? Ne doutez pas de moi, Capitaine. Vous voyez ça? Grâce à cette arche mère et toute la technologie qu'il est récupérée dans la baie, je réparerai le monde. Et je serai un héros, bien sûr. Cette zone est à accès limité. Allez vous asseoir. S'il arrive malheur à mon équipement, j'enverrai la facture à vos supérieurs. Mais quel connard. Bougez-vous, les gars! L'heure tourne! Vous vous croyez où, là-dedans? Allez à vos places tout de suite! Vous deux, venez! À vos ordres. Vous aussi.
va? Ça flingue comme tu veux. Quoi de neuf? Salut. Quoi de neuf, soldat? Ça flingue comme tu veux. Je dis tout de suite. Minute, capitaine. Ce pillarche ne porte pas votre uniforme adoré. Vous n'avez pas à lui donner d'ordre. Désolé pour le malentendu. On y est presque. Attachez-vous. Je ne vous ai pas encore parlé de votre implant égo. Il faut... Qu'est-ce que c'est? Chef, on vous demande sur le pont. Je crois finalement que je vais m'asseoir. Quand on aura atterri, ne bougez pas. L'activation d'Ego peut être déroutante quand on n'y est pas préparé. Lucas, c'est juste des jetpacks. Pas de quoi faire. C'est pas vrai, on va tous crever. En réalité, elle est charmante quand on la connaît bien. Accroche-toi, Cass. Ça se présente mal. Respire, ça va aller. Oh, mais comment ça s'ouvre, ce machin? Oh, Staco, t'es en vie? Moi, c'est Cass Ducard. Tout va bien? J'ai vu ta capsule atterrir. Enfin, c'était plus un crash qu'un atterrissage. Je pensais te retrouver embouillé là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Oula! Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Tu ferais mieux de cette fois. Viens, assieds-toi avant de tourner de l'œil. T'as dû prendre un mauvais coup à la tête pendant le crash. Repose-toi un moment. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. Au fait, je te conseille de trouver de meilleures armes. Les gens du coin sont pas accueillants. Bonjour. Bien, maintenant vous pouvez m'entendre. Je perçois votre nervosité, mais n'ayez crainte. Je suis le dispositif Envirogardien Online qu'on vous a injecté. Vous pouvez m'appeler Ego. Ah, excusez-moi, je dois vous prévenir qu'il peut y avoir quelques couacs au début, quand on essaye de tout activer. Mais je m'occupe de tout. On a du pain sur la planche, alors commençons tout de suite.
doit retrouver Monsieur Van Back. Mais il va falloir d'abord s'équiper. En route. On doit récupérer l'équipement nécessaire au plus vite pour pouvoir se mettre à la recherche de Monsieur Van Back. Les grenades ont un délai de recharge. Vous devrez donc attendre un peu entre deux lancers. Je reçois un signal. Je vous le transfère. Quelqu'un m'entend? J'ai besoin d'aide. Je crois que les mutants organisent une attaque. Oh non. On doit aller l'aider. D'après mes données, ces créatures sont des êtres humains. Mais leur ADN a sévèrement muté. Je peux pirater la plupart des systèmes informatiques. Accédez à ce réacteur et je verrai ce que je peux faire. Excellent. J'ai pu réactiver la matière fissile. Le réacteur devrait surcharger et rayer cette base de la carte en explosant. Mais il va falloir empêcher les mutants d'interrompre le processus. Ah,
ça tombe à pic. J'ai trouvé un armement high-tech juste ici. La violence d'une émeute dans une seule arme. Oui bien. T'as un implant égo, c'est ça? C'est incroyable. J'en avais jamais vu en action. C'est quoi? Je crois qu'on va former une sacrée équipe. Dans ce monde de dingue, les alliés sont rares et précieux. Je rejoins le site du crash. Ils doivent avoir besoin d'aide. Je suis sûre qu'on se reverra. Viarche? Je crois que je vais péter un câble. Mes systèmes ont atteint un seuil donnant accès à de nouvelles améliorations. Vous pouvez utiliser une unité égo. Il faut qu'on sache si Monsieur Von Bach a survécu. Je détecte plusieurs sièges éjectables à proximité. Avec un peu de chance, l'un d'eux appartient à Monsieur Von Bach. Le siège est vide. J'espère que celui qui l'occupait est toujours en vie, quelque part. Je rencontre de fortes interférences. Trouvez une zone dégagée, que je puisse scanner la vallée. On a de la chance d'être en vie. Ce crash est épouvantable.
Oh non, encore une victime. Je détecte un signal égo qui s'estompe, ce qui veut dire qu'on a perdu un pillarche. Je détecte plusieurs signaux GPS de VBI. L'un d'eux appartient sûrement à Von Bach. Dépêchons-nous d'aller voir. Cette expédition est condamnée si on ne retrouve pas Monsieur Von Bach. Il est le seul à avoir les connaissances nécessaires pour percer les secrets de l'Archemère. Pas Monsieur Von Bach, mais quelle tragédie. J'estime le nombre de victimes à au moins 300. C'est un technicien de Von Bach Industries. Je crains le pire. Et si on les avait tous perdus? Mon analyse d'ADN révèle qu'il s'agit du chef de l'équipe de sécurité. S'il n'a pas survécu, les chances de Monsieur Von Bach sont minces. D'après mon analyse d'ADN, il s'agit de l'employé de VBI, numéro 130. C'est un coup dur. Il était extrêmement important pour cette expédition. J'ignore s'il est vivant ou non, mais Monsieur Von Bach n'est clairement pas sur le site du crash. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver. Je reçois un SOS du capitaine Grant. Je vais vous le transférer. Je répète, à tous les survivants blessés non armés, restez à l'abri, on vous trouvera. À tous les survivants en état, rendez-vous au QG de secours, au point de ralliement de Liberté. Hé, Pierre, t'as eu le message des reps? Rejoins-moi au point de ralliement. Que foutent les républicains ici? Je vais trouver leur responsable. Je répète, le Liberté s'est crashé. On essuie de nos pertes. Est-ce que quelqu'un reçoit? Capitaine Grant, les interférences terraformes. Essayez, caporal. Parlez dans ce machin jusqu'à ce que vous n'ayez plus de voix. C'est compris? Oui, chef. Je me reconnais, vous. Vous êtes pillards, je vous garde votre bac. Moi, c'est Cass. Et vous avez dit Von Bach, comme les industries Von Bach? Le marchand de la mort, c'est ça? Il se passe quoi, là, au juste? Pas vos oignons. Chef, on a au moins 200 morts confirmés et presque le double de blessés. Si on n'évacue pas, on n'aura pas assez d'équipement ni de personnel médical. On m'a signalé un centre médical en ruine dans le coin. Envoyez un de vos hommes chercher du matériel. Oui, chef. Chef! Les snipers tirent sur l'équipe de secours depuis la crête. S'ils rentrent pas dans les 35 prochaines minutes... Chef, les survivants des ponts 4 à 7 risquent d'être brûlés vifs. Ça n'arrivera pas, sergent. Rappelez tout le monde et dites à ce point c'est sur la nef. On va les sortir de là. Oui, chef. Et Eisenhower, ces snipers étaient de l'EMC. Mais ce sont plus que des mutants sanguinaires. Vous êtes en train de me dire que... ce sont des soldats de l'entente militaire de coercition. Ouais, on les a pas mis au courant que leur petit club est tombé il y a plusieurs années. Ils croient à une invasion. Et comment vous savez ça? Il y a plein de vieux trucs qui datent de l'EMC par ici. Et parmi eux, le projet. Le projet Utopia. Je suis con. Les humains et les votants qui vivent en paix. Quel beau tâche d'amour. Utopia n'était pas une opération de combat.
les mutants n'auraient pas pu avoir accès à une arme pouvant éliminer une stratonef. Non, à vous d'élucider ça, Sherlock. Vous, écoutez-moi. Rien que d'y penser, ça me hérisse le poil. Mais protéger votre snob de boss est la clé de cette mission. Si vous mettez de l'ordre dans ce bordel, je vous aide à le retrouver. Très bien. L'équipe de secours doit rejoindre le Liberté immédiatement. Chargez-vous de ces snipers. Samis, vous allez où comme ça? Vous allez me raconter tout ce que vous savez sur cette zone interdite où vous vous baladez à votre aise. Illégalement. Rêve de Scrug. Détruite.
détruite. Cible détruite. Intrus ! Défendez la colline ! Zone sécurisée. Je crois qu'on a un bel avenir ensemble. L'équipe de secours est prête. Elle monte dans le Liberté. On dirait que t'as convaincu Grant que les pillages pouvaient se rendre utiles. Il t'autorise à prendre un des véhicules pour circuler. Récupère-le au QG en redescendant. C'est ça, ou tu vas devoir faire tout à pattes et porter beaucoup plus de flingues. Excellent! On a enfin un véhicule. Vous pouvez vous en servir pour vous déplacer plus vite. Un de mes toubibs a trouvé du matos à la clinique Accor. Et il dit qu'elle grouille de mutants. Escortez-le à l'intérieur pour qu'il puisse le récupérer. Pédale au plancher. Je détecte un signal de détresse. Les hommes de Grant sont en difficulté. On doit les aider.
temps hostile en approche par le nord-est. En provenance de l'ouest. Merci pour le coup de main. On redémarre ce camion et on vous rejoint aux ruines de la clinique. Viarf, on est en position, mais la zone est infestée de mutants. On va avoir besoin de votre aide. Il y a du matériel médical là-dedans, mais ces monstres m'empêchent de l'atteindre. Installez ces émetteurs et revenez me chercher. Nos radios sont mortes, alors une fois l'ennemi neutralisé, tirez une fusée depuis le toit pour prévenir l'équipe médicale. On s'occupera de... Laquelle ? On va retrouver le matériel médical, mais faites attention aux mutants sur la route. Les doigts dans le nez.
Très bien. Ils auront besoin de ça sur le terrain. Très bien, ils auront besoin de ça sur le terrain. Super, ça fait pas mal de matériel. On les a eus, bravo. Montez vite sur le toit et prévenez les médecins. Tango en vue. J'avance. L'équipe de la République de la Terre est là. D'où est-ce qu'ils sortent, ces hélicos? Eh, ce sont des mutants! À l'aide! Je suis complètement dépassé! Tous à couvert! Il faut qu'on élimine les ennemis de la zone. Merde! Je suis touché! Ah!
détecte d'autres mutants en approche. Bien joué. Hé, hey, ramène-toi au temple des REP. Ils ont toujours des problèmes de radio, et je peux les aider. Quoi que t'en penses, il y a des scripts à se faire, et je compte bien en profiter. Les gaz. C'était bien joué, bravo! La zone est sécurisée!
Je détecte d'autres mutants en approche. Flinguez-les ! Génial, en voilà d'autres. Pas des rigolos. Les gaz. Il y a un défi par ici. Ce genre d'épreuve vous permet de mesurer vos performances à celles d'autres pillages. On y va, j'ai identifié l'objectif.
quelques jours. Wow, c'était bien joué. Bravo. Il faut qu'on rassemble des objets. On est bon, on peut rentrer. Tu vas bientôt pouvoir me faire dorer la pilule, si tu continues de te démerder comme ça. C'était bien joué, bravo! J'ai une mission parfaite pour toi. Je m'en chargerai bien moi-même, mais... on va dire que je ne suis pas d'humeur.